Salut tout le monde. Vous pouvez voir à ma tête que je suis encore en train de dormir presque. Eux ils sont éclatés aussi. Il est actuellement 5h du matin et nous partons à Marrakech. On a 6h de route. Je suis fracassée. J'ai dormi que 4h. Même pas, je crois que j'ai dormi à 2h du matin. 3h j'ai dormi. Stéphane, il va conduire pour l'instant. Moi, je me sens pas du tout de conduire. Je sens que je vais te taper un gros dodo là. Je suis KO de tes cours. Et après, ça va être papa. Donc, on se retrouve pour une nouvelle aventure. Hein. Voilà. Une grande. Ouais, une grande aventure là. À tout de suite. Je vous emmène avec nous à Marrakech. Voilà. T'es en forme toi? Pas trop. On est tous KO. C'est le volant. Ah, pas du tout. Si tu veux qu'on arrive à destination, conduis. Bon, allez. On a été arrêté pendant combien de temps? 15-20 minutes, je crois. Il y a eu un accident. Je vous montre. Genre, en fait, là, normalement, c'est notre voie ici. Et je pense qu'il y a un accident tout là-bas. Donc, du coup, ils nous ont mis dans la. Ils ont changé de route. Ils ont changé de route carrément. Je pense que c'est un très gros accident. Heureusement, ils nous ont dit 20 minutes d'arrêt, mais je pense pas qu'on va rester 20 minutes. Parce que ça roule là, ça va. En tout cas, il est 9h du matin. On était censé arriver à 11h. Je pense qu'on va arriver vers 11h30 du coup. Les enfants, ils ont dormi jusqu'à maintenant. Enfin, Aaron dort encore. Mais les deux se sont réveillés. Oh, jacouille. Jamais le coiffeur. Les coiffeurs ici. Hein. C'est sa fin encore. C'est toi qui l'amène. C'est vrai que je parle marocain. C'est toi qui l'amène. Bref. Bon, ça y est, on est arrivé à Marrakech. Tout le monde est réveillé. Sofiane, il a fait un petit dodo pendant que moi j'ai conduit. Il a pris le relais. Parce que là on est arrivé et moi je veux pas conduire au Maroc. J'ai vu que 10 autoroutes. Voilà, j'ai vu que 10 autoroutes. Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Bref, là on va direction l'hôtel. On sait pas à quelle heure on peut rentrer dans l'hôtel. On verra bien. Hein. Pour l'instant, on va direction l'hôtel. Voilà. Et l'hôtel il était là-bas. J'ai oublié que Marrakech était quand même comme Tanger. Mais ça va, c'est loin quand même. En même temps, il est plus dur. Bon, là on est parti à KFC. Le temps que notre chambre se libère. Se nettoie. Voilà, se nettoie, tout ça. Les gens partent. On va manger à KFC. On va se régaler. Déjà, nous avons un fou. Flamenco, flamenco, Jobi, Joba, daga, 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 Jobi, 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 Joba. Bon, nous avons la salle de bain. Voilà. Voilà, vous avez la pièce à vivre. Un petit bon. Oui, c'est éclateux. Mais je pense que Mélia ne va pas dormir ici. Je le sens. Pourquoi? Je pense que tu vas dormir avec les cousines, non? Oui. Ils ont une chambre que pour les filles. Et ouais, que pour les grandes. Voilà, que pour les girls. Comment ça, que pour les filles? Comment ça? Moi, j'ai pas donné d'accord.
Allez, c'est parti. On est déjà à la piscine. Nous, aïe. Stéphane, il est resté dormir avec Naël. Comme ça, ce soir, il est en pleine forme. Aaron va découvrir la piscine. On cherche les cousines. Où va-t-on les trouver? On va rechercher des cousines. Ah, je les vois, elles sont là-bas. Oui, bah ça y est. Nous allons réveiller le boss. Le petit fou est parmi nous. Nehel, je vous fais visiter. Là, vous avez un petit parc de jeux. Trop, trop bien. Là, on a pris un ballon, on a loué le ballon pour aller jouer au foot pour Aaron. Il est, franchement, l'hôtel est vraiment magnifique. C'est classe. Il y a trois piscines, je vous montrerai après quand il y aura un peu moins de monde. Mais comment on rentre? Rentre, viens, maman, viens. Comment on rentre? Là, vous avez basket, vous avez terrain de foot. Mais comment on rentre dans le parc? Magnifique. C'est classe. Je veux ça, meilleur life. Hey, cours, cours, cours. Bon, on est sorti, on est parti manger. Là, on s'est tous apprêtés. On s'est mis en bon. On est au buffet. Je vous montre. On va se régaler ici. Hein. Bon, on a fini de manger. On va se promener avec Aaron et Naël. Là. Hop, pardon. On va à la soirée disco, à la soirée danse pour les enfants à 20h30. Franchement, pour ça, c'est vraiment trop, trop bien. C'est vraiment trop, trop bien. Ils kiffent, ils s'amusent trop, trop bien. Attendez, je vous montre vite fait. J'étais montée avec ce petit bébé pour qu'il fasse dodo. Là, je vais le réveiller parce qu'il est déjà 5h. Mon petit cœur. On va à la piscine. Est-ce que tu vas aller à la piscine, Naël? Mon bébé, ça. Bon, on vient de finir de manger. Là, ce soir, c'est soirée karaoké. Bon, bien sûr, je me suis inscrite avec les enfants. On va chanter. C'est la base des karaokés. J'avais pas prévu de vous adopter. Mon enfant, j'ai décidé l'inverse. Aaron est trop content parce que c'est à Ronaldo. C'est vraiment beau, on n'avait pas vu ça quand on était venu là avant, mais là... Bon, il est actuellement 00h30 et on emmène Mélia dans la chambre des cousines pour qu'elle dorme là-bas. Alors, ça va bien. Allez, c'est parti. Le problème, c'est qu'il est tellement grand l'hôtel que je vais me perdre. Bah, comme je vous l'avais dit, on s'est perdu. On cherche, mais on trouve pas.
Coucou bébé. On est KO tous. Et chers amis, encore une fois, François. D'accord, je fais comme ça. 1, 2, 3, comment on dit ? Abracadabra ! Abracadabra ! Exactement. 1, 2, 3, t'as un peu, t'as un peu. C'est gavé. C'est même pas eu. Le vlog Marrakech, même si je vous avoue que j'ai pas trop filmé, franchement on a tellement profité de la piscine, des activités qu'il y avait là-bas, que j'en ai oublié de filmer ce qu'on a fait. Bon, en même temps on a profité vraiment de l'hôtel, on n'est pas sorti à part ce que vous avez vu, mais franchement un retour sur l'hôtel, il était top, vraiment on a kiffé l'hôtel, très spacieux. La chambre elle était bien. Niveau animation, tout ça, vraiment top. On dirait que l'hôtel c'est un camping en fait. Donc vraiment on a kiffé. Et dernière chose. On a bien rempli le ventre. On a bien mangé. Non franchement l'hôtel, vraiment rien à dire. Je vais vous mettre les informations en description de l'hôtel. J'essaye d'avoir un petit code promo pour l'hôtel. Voilà, on a demandé à la direction parce que je sais que j'ai reçu des messages des personnes qui seraient peut-être intéressées par l'hôtel. Donc voilà, j'ai demandé, c'est en cours, on verra, peut-être que oui, peut-être que non. Si vraiment j'ai pas la réponse avant que je poste cette vidéo, je vous la mettrai en commentaire. Donc allez jeter un petit coup d'œil quand vous regardez cette vidéo s'il y a un commentaire. Et sinon là on est sur la route de Ouarzazate, mais je clôture ce vlog là parce que Ouarzazate sera un autre vlog. Voilà, il y aura deux vlogs, c'est deux hôtels différents, c'est deux villes différentes. On est Marrakech, on l'avait déjà faite, Ouarzazate on l'a jamais fait. Donc voilà, là en tout cas les enfants eux ils sont ça y est, sont perdus, sont loin dans leurs rêves. Ils ont clôturé le vlog. Voilà, avant nous ils ont clôturé le vlog. Donc voilà, donc je vous laisse. On se retrouve pour un nouveau vlog très prochainement. Et j'espère quand même que ça vous aura plu. Et que vous aimez nous suivre à travers nos péripéties. Bisous.